Et chez un client aujourd'hui, c'est juste après la période des fêtes. Le client voulait nettoyer et protéger 6 chaises de fabrique. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Puis, on va prendre l'opportunité de vous montrer comment c'est fait avec notre système. Hi, welcome to this demonstration. We're at a client's house today. They've asked us to come over and clean and protect 6 dining room chairs. So we're going to take this opportunity to demonstrate how that is done with our vapor system and our sealant. So don't go away. We'll be right back. Thanks. Donc, comme vous pouvez voir, et pour faciliter notre tâche, j'ai aligné toutes les chaises dans le corridor qui va faire la job un peu plus facile. Et entre-temps, on réchauffe notre machine à vapeur. Et ça, ça monte à 345 degrés. Donc, c'est très, très chaud. Ça tue toutes les pathogènes, toutes les germes qui sont tués normalement entre 140 et 160 degrés. Ça, comme j'ai dit, ça va monter à 345 degrés. Donc, on va le laisser monter comme il faut avant de commencer. Mais avant de commencer, on peut voir que ces chaises-là, ça a l'air qu'ils n'ont jamais été nettoyées. Ils ont à peu près 20 ans, 22 ans dans ce coin-là. Donc, ça prend quand même un bon nettoyage. Normalement, je le ferais simplement à la vapeur. Mais comme c'était jamais nettoyé, puis ils sont sales, on le voit moins avec la caméra, mais ils sont un peu sales. J'ai recommandé au client de mettre un peu de détergent anti-allergène. Donc c'est ça qu'on va appliquer maintenant, juste un peu. On va le laisser travailler. C'est quand même un produit qui est... anti-allergène. Ça vient très concentré. C'est juste pour essayer d'enlever les taches qui sont sur les chaises avant d'appliquer la vapeur. Voilà, je vais faire une démonstration comment on nettoie ça. C'est mouillé avec le produit qu'on a mis. Vous pouvez voir ici, c'est à 345 en ce moment. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est juste de la vapeur qui sort. Si j'avais pas mis du détergent avant, ça serait quasiment pas mouillé. Ça serait sec complètement dans quelques minutes. So, as you can see here, the machine's at 345 degrees, which is a very, very high temperature. Will kill all the germs, pathogens, whatever. And this chair is a little wet because I had applied some anti-allergen detergent at the request of the client since it never had been cleaned before. Otherwise, I would not have done that. And this would have hardly wet the fabric whatsoever, and the fabric would have been pretty dry after just a few minutes. But unfortunately, we're going to have to wait a little longer for everything to dry properly before we apply our permanent sealer. Chaise en particulier, j'ai trouvé qu'elle était un peu plus sale que les restes. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je suis confiant que ça va sortir bien. Gardez ça. Donc, on voit que ça travaille comme il faut. Ça vaut la peine de faire ça. Particulièrement si ça n'a jamais été fait. C'est vraiment, ça vaut la peine de nettoyer. Puis après ça, quand tout est bien nettoyé, bien sec. Là, on va appliquer notre scellant. On a pas mal fini le nettoyage. On peut voir vraiment que
toutes les taches qui étaient ici, spécialement, particulièrement sur cette chaise-là, sont parties. Ce que vous voyez, c'est vraiment, c'est humide. C'est humide parce que normalement, avec la vapeur, comme j'ai dit, ça sèche vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui rentre dans le tissu. So just to resume quickly, we've cleaned everything. Everything is nice and clean. Unfortunately, it's pretty wet since we had to apply a cleaner, since they had never been cleaned before. And we need to let them dry properly before we put the sealer on. So I'm going to have to reschedule a meeting, another rendezvous with the client, probably tomorrow, to come back and apply the sealer once everything is nice and dry. But you can see here, I mean, really there's no, there's nothing, there were a bunch of spots here on these chairs, never been cleaned before, now pretty much all gone. So all it has to do really is dry and dry and apply. Alors c'est ça, on va laisser ça sécher comme il faut, puis après ça, on va retourner pour appliquer notre sealant permanent, qui va rester pour le reste de la vie du tissu, c'est sûr, c'est garanti. Aussi, si vous avez des allergies, bien ça c'est quasiment l'unique façon de nettoyer. Alors, parce qu'on peut utiliser ce système-là sans chimie, du tout. Donc, ça nettoie très efficacement. So folks, we're pretty much done here. As you can see, these are nice and clean. All the little spots that we had on them have been removed. Tout est bien nettoyé comme il faut. Dans ce cas ici, ça m'a pris une heure à peu près, un peu plus, pour nettoyer ces six chaises comme il faut. J'ai fait deux passages, donc maintenant on peut voir vraiment, il n'y a plus de taches de rien. C'est bien clean, bien nettoyé. C'est une question de laisser sécher puis avant d'appliquer le sealant. Donc, à plus tard. Merci.